Bonjour, chers amis et chers abonnés. Bienvenue sur le blog apprendrel'accordéon.com et la chaîne Apprendre l'accordéon. Aujourd'hui, nous allons travailler une belle valse de... Réglez votre métronome, choisissez votre plus belle montre, installez-vous sur votre fauteuil. Richard Galliano. Cette valse, c'est un ami qui me l'a envoyée pour un ami bassiste avec qui je dois jouer dans un mois pour une première scène sur un projet valse. Et donc, elle s'appelle A French Touch. A French Touch. Voilà, je vous mettrai la partition en pièces jointes. Et donc, vous pourrez la travailler en même temps que moi. Donc, nous allons déchiffrer cette partition, cette belle valse qui regroupe des grands compositeurs comme Gus Fischer, mais Joe Priva aussi, même Chopin. On retrouve des phrases à la Chopin. Donc, Richard Galliano a eu cette intelligence de rassembler toutes ces couleurs, tous ces chemins de doigté mélodique qui rendent cette valse vraiment très très belle, je trouve. Ça vaut le coup de la travailler. Donc on va la travailler ensemble. Attention, je vais faire des erreurs. C'est un petit peu le but. C'est pour ça que je démarre en même temps que vous. Nous avions fait déjà ce travail sur une valse Montagne Sainte-Geneviève de Django Reinhardt il y a quelque temps. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder ce tuto. Et on va faire pareil avec cette valse qui n'est pas facile. Ce cours ne s'adresse pas aux débutants, mais ça peut être intéressant pour vous aussi, les débutants. Voilà, la manière de travailler. Comment faire quand on a des difficultés? Et de ne pas se décourager, ok? Et ne pas se dire, oh, je suis nul, oh, j'y arrive pas. Et voilà, quoi. C'est ça qu'il faut éviter parce que votre morale va en prendre un coup. Donc, le but, c'est d'y arriver, n'est-ce pas? De faire de la belle musique. Donc, voilà, je suis sur un tabouret. J'ai la partition sur un tabouret. Je suis éclairé par la lumière. Bien qu'il y ait beaucoup de lumière et une chaleur terrible. Il fait chaud. Il est 6 heures du mat. Et il fait déjà 30 degrés ici à Nouméa. Waouh! Mais quand même, j'ai dit aujourd'hui, j'ai envie de partager un moment avec mes fidèles abonnés. Et donc, on va commencer. Alors, le but, c'est d'essayer de faire du beau. N'oubliez jamais. Ok? On travaille en s'amusant et on essaye de travailler en mémorisant de bonnes
informations. Et on va essayer d'effacer tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire les petites erreurs. Essayer de voir si un doigté ne va pas, pourquoi. Voilà, essayer de voir quelles sont les notes importantes et de mémoriser ces chemins mélodiques, ces phrasés qui sont assez difficiles pour l'avoir entendu dans le projet, de cet album French Touch. Et donc, allons-y, on essaye. Allez, j'espère que ça ne va pas être trop difficile pour vous et pour moi. Alors, on choisit des registres légers et on essaye. Alors, c'est du Mi mineur, un dièse à la clé, Sol majeur, donc le relatif Mi mineur. Ah, oui, ça commence bien. Donc, j'y vais trop vite. Je dois ralentir. Et je reprends là où je me suis trompé, au début de la mesure. Voilà. Il y a ce petit chromatisme. La dièse si, la dièse si. Ok, je reprends ça. Ok, on continue. Joli. Ok, on reprend au début. On va à la case 2. Alors avec un fa 7. Chopin. Ok. Voilà pour la première partie. On va essayer de l'accélérer un tout petit peu avant de passer au B. Ok. Alors, je la reprends. Je vais essayer d'accélérer, mais un tout petit peu. Comme ça, je vais voir mes points faibles. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, on reprend. J'accélère. Oui, j'ai une petite hésitation là. Ah, voyez. Je sens que j'ai une petite faiblesse ici, donc je vais isoler ce début de case 2 sur fa 7. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je démarre par un do qui est la quinte de l'accord de fa. Si, la, sol, fa, je fais fa, et mi bémol, et ré, et do, si. Vous voyez, je remarque que je m'appuie. J'ai des notes de passage qui sont fa sur fa 7, ouais, sur mi bémol, ré sur do et si sur la. Donc, je mémorise ça. Voilà, déjà, ça va m'aider, vous voyez. Une petite analyse pour pouvoir mémoriser les boutons, les chemins, forcément. Donc, case 2 sur fa 7, do, si, la. Vous voyez, fa.
qui est la neuvième de mi mineur. Vous voyez, donc... Ah ouais, je vais l'accélérer. Wow, yes. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Wow, 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 wow. Vous voyez, il ne faut pas trop s'emballer. Parfois, on y arrive une fois, mais ce n'est pas parce qu'on y arrive une fois que c'est acquis. Attention à ça. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de musiciens. C'est parce qu'on y est arrivé une fois, on croit quand que c'est acquis. Ah non! Il faut le jouer 10 fois, il faut le jouer 20 fois, 30 fois, peut-être même 50 fois ou 100 fois. Si on le fait sans accrocher, là, ok, plein de fois d'affilée, sans accrocher, ok, là, ça devient de l'acquis. On commence à, voilà, à mémoriser. Wow, voilà. Vous voyez? Voilà. Donc je ralentis. Et je lis bien mes doigts. Je les lis, je les reste très près du clavier. Regardez. Vous voyez? Oh, wow, ça commence, hein? Wow, oh, oh, ça commence. Ça ne veut pas dire que c'est encore acquis. Attention, hein? On va voir si tout à l'heure, quand je vais le jouer, après avoir travaillé une autre partie, ça ressortira. Si ça ne ressort pas, à ce moment-là, on revient en arrière. On baisse le tempo. Même si ça paraît lent, c'est pas grave. Imaginons, j'ai un niveau un petit peu en dessous, inférieur à celui que j'ai. Ben, qu'est-ce que je fais? Je veux quand même y arriver. Donc, je fais... Voilà, donc la B, la partie B, qu'est-ce qu'elle donne? Je sais, je me souviens que c'est une longue phrase au début. Si vous vous sentez de la faire, si vous êtes à l'aise avec les accords, faites-la légère, ok? Pour vraiment mettre l'accent d'abord sur cette mélodie, hein? On reprend le B. Je vais accélérer et c'est là où peut-être il va y avoir des soucis. Allez, j'essaie d'accélérer un peu plus. Oh punaise! Bien sûr, c'est un phrasé très très compliqué. Je joue sur le si bémol septième diminué. Vous voyez, mémorisez ça. Ou alors, vous pouvez mettre le pouce ou le 2, vous voyez, le 1 ou le 2. Vous voyez? Ou alors, à vous de voir en fonction de comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous préférez. Ok, on n'a pas un doigté établi. Chacun a des mains et des doigts différents. Donc, on doit s'adapter à notre
à notre capacité, à notre morphologie aussi. Hein. Il y en a, ils ont des petits doigts, des gros doigts, d'autres des longs, des fins. Voilà. Bon, ok. L'essentiel, c'est d'avoir une belle position et ne pas faire des choses qui sont, vous voyez, comme ça, quoi. Ne pas avoir des choses compliquées qui ne passeront pas. Des doigtés compliqués qui n'arriveront pas à passer à la vitesse. Donc, on reprend le B. Voyez, vous servez aussi du doigté pour donner une accentuation. Ok, why not? Ça donne du groove. On reprend. Chopin. Très très beau. Encore, on va essayer d'accélérer pour voir où c'est que ça va pas. Mais je vais l'accélérer encore. Je suis sûr qu'il y a des choses. Je vais le jouer plusieurs fois pour voir si ça passe. Ah, vous voyez? Et oui, c'est un ré et pas un mi bémol. Voilà. Ah. Donc lentement, allez. Mais le pouce, est-ce que je peux faire ça ou alors? Mais bon. Allez. Encore. Plus vite. Ah, punaise, voyez la première phrase là. Je n'y arrive pas. Donc, c'est que je ne la maîtrise pas. Donc, je dois travailler très lentement. Tu délires, mec. Non, 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 non. Là, ça va trop vite. Vous voyez? Là, je vais trop vite. Punaise, quand je vais la jouer avec les copains, il faut que je la connaisse, quoi. Sinon, ils vont me faire... ils vont me jeter les baguettes sur la tête. Non, 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 j'ai pas envie de décevoir Marcel. Marcel, pas ça, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est avec lui qu'on va jouer. Et Alain? Donc, allez. Allez encore, patience. Je vais y arriver.
sais, quand on y arrive plus lent, vous, peut-être ce sera un peu plus lent. Un peu plus lent. Vous voyez, c'est pas grave le rapport. L'essentiel, c'est d'arriver à jouer quelque chose de propre et de beau. Ok? Allez, moustique, arrêtez un peu, laissez-moi tranquille. Eux, bon, ils adorent la musique de Richard Galliano. Donc, je les comprends. Oh, pas mal. Est-ce que c'était un coup de chance? On va voir. Je vais le refaire deux, trois fois. Ouais, c'était un coup de chance. Oui, le fa dièse, là. Sur le fa dièse. Je suis attiré par le fa, je sais pas pourquoi. La neuvième dièse de ré. Ça aurait pu, mais c'est trop bleu. C'est trop jazz. Non, 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 le fa dièse va très bien. Hop, 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 c'était un coup de bol, 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 c'était... Alors, ce qu'on va faire là, on va lâcher un peu la mélodie, on va faire un peu d'harmonie. Parce que ça peut vous aider de jouer les accords ici. On est toujours sur du 3. N'est-ce pas, comme beaucoup. Et une petite pensée pour la famille au Brésil. Et on est toujours ton tact. Vous voyez, je travaille comme ça, mais vous pouvez la travailler aussi. On change un petit peu le rythme, en même temps on travaille les accords et la mélodie sur les accords, vous voyez, ça peut être très intéressant. On peut le faire. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer tout ça. À la blanche, c'est-à-dire au lieu de penser à la noire, on fait... Thank you.
même simple, regardez. C'est cool. Ah, c'est sympa. Bon, on va revenir quand même. C'est une valse. Hein. Allez, 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 allez. Allez, on refait cette partie. Oh, ça me plaît, là. Alors, chantez. Essayez de chanter la mélodie, même si... Si vous ne chantez pas, chantez le tac 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 tac. Prenez-vous pour un Indien. Un Indien, pas un Indien d'Amérique du Sud. Hein. Un Indien de Pondichéry ou un Indien de Jaipur. Ok? Oui. Vous faites les notes, mais vous faites votre phrasé, vous essayez de penser des articulations, des liaisons et des accentuations. Par le 2, par le 3, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Votre flair, quoi, voyez. Et après, quand, si je fais là, ici, ça va suivre. Mes doigts vont avoir envie de suivre aussi ce que je pense. Oui. Oh, c'est bon ça. Punaise, qu'est-ce qu'elle est belle cette valse. Bravo Richard pour cette valse. Allez, on reprend. Oups, tu petit que mon petit doigt, il a accroché. Il n'a pas bien joué le ré. Vous voyez? Il faut que chaque note s'entende. Ok, il faut qu'on les entende toutes. Si vous remarquez que et on les entend pas, ça veut dire que au niveau de la percussion, vous voyez. Et on doit entendre chaque, même lentement, surtout lentement. Vous voyez? Ha ha ha. La double, les quatre doubles sont difficiles. Hein. Donc, lentement. Vous voyez? On doit mettre l'accent sur le côté percussif pour que la note ait un joli son. Alors, allez, on va essayer maintenant d'enchaîner tout ça. Hein. On a pas mal bavardé. Hein. Ah, j'ai une petite hésitation là, mince. Ça veut dire que je l'ai, c'est pas encore acquis. Ah là là, je dois encore bosser. Bon, il me reste un mois. Ça va. En un mois, je peux arriver à du résultat. Ok. Bon, je vais pas travailler que ça. Mais. Voilà. Souvent, si ça passe pas, c'est que. Il y a un problème de doigté. Donc, vous voyez. 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, voilà, c'est logique. Hein? Le pouce, il joue sur la première rangée. Ah oui, c'est
ça, c'est ce passage qui me fait défaut. Parce que si je mets le 3, ça va pas. Ah, c'est ça. Ok. Ok. Oh là là, il y a encore un problème de... Voilà, c'est ça. Yes. Oh, ça arrive. Parce que je travaille bien la percussion. Regardez. Écoutez, sans le son, je ferme le soufflet et je fais que la percussion. Vous voyez? Ok. Wow. Faut être vigilant quand même et très détendu et surtout avoir un bon esprit, ne pas se dire oh mais je suis nul, oh j'avais un élève comme ça qui n'arrêtait pas parce qu'il n'y arrivait pas, il abandonnait, il dit ah, je sais pas comment, j'ai dit patience, personne ne peut bosser à ta place, il n'y a que toi qui peux bosser, donc il faut beaucoup de patience, de persévérance et du temps. Et essayer d'aller dans le bon sens, quoi. Hein? De se mettre dans la peau de Richard Galliano. Il a quand même composé ça. Il s'est donné du mal à composer. Non, il a dû se faire du bien à composer. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il a quand même réfléchi à composer quelque chose de beau. Quelque chose qui est virtuose. Et en même temps, c'est pas que technique, c'est beau. Ce sont des belles phrases, vous voyez. Toutes les phrases chantent. C'est vraiment... Tout peut se chanter. C'est extraordinaire. Voilà, ça c'est l'exemple d'un morceau avec de la mélodie et de l'harmonie, puisque l'harmonie, elle est bien, comment dire, chiadée, ok? Donc, à nous de respecter le compositeur et d'essayer de lui faire honneur. Normal. J'utilise même d'autres doigtés pour se mettre en danger, pour voir si ça passe avec un autre doigté. Bon, ça c'est le... C'est un peu le danger, c'est de ne pas avoir qu'un doigté. Mais l'avantage de ne pas avoir qu'un doigté vous permet éventuellement de faire de la fantaisie et de rajouter d'autres notes. De rajouter des petites notes, voyez. Vous voyez ? On pourrait faire ça. Oui. La suite. Voyez, si je veux faire des tris, parfois c'est un autre doigt qu'il faut mettre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter qu'un doigté. Il faut essayer d'avoir plein de solutions pour pouvoir un petit peu tourner autour de la mélodie et partir dans des solos. Bon, voilà, c'est quand même... Waouh, je ne sais pas où on en est. Ça fait déjà presque 30 minutes que je travaille. C'est deux parties, puisqu'il y a une troisième partie en plus, beaucoup plus lente. Alors on va quand même la déchiffrer, parce qu'on a tendance souvent à oublier les trios, comme on appelle. Ça s'appelle un trio, une troisième partie, un C. Est très joli, donc on va essayer de la déchiffrer au moins, et après je vous laisserai à l'étude. Alors waouh.
Diminuer. Si bémol septième diminué. C'est beau. Si bémol, mi bémol, basse, si bémol. C'est ça. Attendez. Waouh, la sol dièse en mélodie avec basse, la mineur basse sol. C'est beau, c'est juste une note de passage. Waouh, magnifique. Alors on la rejoue. Toujours essayer de faire lent et toujours enregistrer une belle information, une belle, c'est-à-dire avec les bonnes notes, avec les bons accords, avec... Voilà, et vous avez remarqué que je l'ai chanté parce que ça m'aide à rentrer dans la musique. Donc, et à mémoriser pour le coup. Vous voyez, je vais aller beaucoup plus vite. Et je vous invite à faire de même. À votre rythme, bien sûr, ne cherchez pas à aller vite. C'est une grave erreur. C'est pas grave si vous mettez 24 jours. Moi, j'ai 30 jours pour bosser, vous voyez. Bon, je le connais pas encore. Il faut que je sois à l'aise puisqu'on va improviser et tout avec les copains. On va s'amuser. On va partir peut-être, effectivement. On va le faire voyager, ce titre. Vous voyez. Donc, waouh, je suis content d'avoir déchiffré. Et voilà, moi, je vais pas rester des heures avec vous parce que le téléchargement, ça va être long, là. Je n'ai pas la fibre. Et ça va durer des jours, mon copain. Ah non, 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 non. Bon, on va devoir s'arrêter. Bon, en tout cas, Ah!
Vraiment, chers amis, bon, si vous avez aimé, j'espère que ça vous aidera et surtout ça vous donnera envie de travailler ce beau titre de Richard Galliano, French Touch, qui est une véritable réussite. Bravo Richard. Et donc, je vous invite à le travailler. Vous allez avoir le PDF par ici, en dessous. Vous pouvez le télécharger et prenez votre temps. Il vaut mieux travailler un morceau en 24 heures que 24 morceaux en une heure. Une petite citation de Richard Galliano. Il me l'a dit directement. Et donc, je vous le transmets. Et je vous dis à très vite, chers amis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, cliquez. Et abonnez-vous, bien sûr, si vous n'avez pas aimé. Bon, ça peut arriver. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous pouvez mettre un pouce comme ça. Vous avez au moins pris la peine de regarder. Et ça, c'est cool. Je vous remercie. Et je vous conseille d'aller télécharger le bonus, hein, main gauche. Hein, ok? Pour avoir quelques clés, tous les accords composés, vous savez, toutes ces combinaisons d'accords enrichis que l'on utilise dans la variété, dans la musique du monde et dans le jazz. Toutes les combinaisons, plus de 20 combinaisons, des doigtés, de basses, des petits secrets pour réussir à essayer de maîtriser un peu mieux cette main gauche. Et donc, visitez le blog. Allez voir les autres articles, les podcasts, et je vous invite à partager. Ok, chers amis, je vous dis à très vite. Il fait très chaud, j'ai les doigts humides à 1000% d'humidité. Vous voyez? Ah, c'est terrible. Je suis tout trempé. Regardez, c'est la vérité. La chemise, elle est mouillée. Ah, elle est mouillée. Oh là là, non. Bon, je vous dis à très vite, chers amis. Au revoir. Et travaillez bien avec patience.